Bonjour, je m'appelle Laurie Gilbert. Si nous sommes installés aujourd'hui dans un studio de télévision, c'est pour vous parler de certaines facettes du travail de mise en onde d'un réalisateur d'émissions de télévision, avec lesquelles les étudiants du programme de production télévisuelle devront se familiariser. Vous n'êtes pas sans savoir que les responsabilités qui incombent au métier de réalisateur d'une émission de télévision sont grandes et que ce dernier doit voir à une foule de détails pour assurer le succès de l'émission. En régie, le réalisateur est roi et maître. C'est lui qui dicte la marche à suivre. Il doit apprendre à communiquer ses directives à l'ensemble des opérateurs techniciens qui l'entourent de manière claire et précise. Si le réalisateur veut que je m'adresse à une autre caméra que celle à laquelle je vous parle en ce moment, il doit transmettre cette directive à son régisseur de plateau qui, lui, au moyen de gestes précis, me fera comprendre qu'un changement de caméra est imminent. Avant l'enregistrement, le réalisateur aura pris le temps de préparer une liste détaillée des plans de caméra pour chacune de ces caméras, de manière à ce que chaque cadreur soit exactement au cadrage de l'employé que le moment. Les caméramans sont d'ailleurs embauchés pour leur sens artistique, leur rapidité d'exécution et leur capacité d'adaptation à toutes sortes de situations. Au moment même où je vous parle, la caméra 3, telle que demandée par le réalisateur, se déplace pour aller cadrer une image posée sur un chevalet. Vous pourrez voir cette image dans un instant, car c'est aussi la responsabilité du réalisateur de montrer aux téléspectateurs des images qui sont en parfaite synchronisation avec les propos tenus par l'animateur. Comme par exemple, si je vous parle d'un livre que j'ai lu dernièrement et qui m'a beaucoup plu. Eh bien, il faudrait que le réalisateur montre aux téléspectateurs une image de ce livre au moment où je vous parle. Avant serait trop tôt et gâcherait la surprise, et après serait trop tard et frustrerait les téléspectateurs. Et si au même moment je vous disais que ce livre, vous pourriez vous le mériter en composant un numéro de téléphone, eh bien, le réalisateur serait tenu de montrer à l'écran ce numéro assez longtemps pour que les gens puissent le prendre en note, bien évidemment. Et maintenant, si je voulais vous faire apprécier la pochette de ce disque audio numérique, le réalisateur doit demander au cadreur de la caméra 1, déjà bien placé pour capter cette image, de nous montrer un gros plan de la pochette que je tiens dans mes mains. Pendant que l'on voit la pochette en gros plan à l'écran de télévision, il serait souhaitable que le réalisateur passe une commande au preneur de son pour que celui-ci nous fasse entendre en sourdine et en plein son par la suite un extrait du disque. Le téléspectateur souhaiterait aussi qu'apparaisse à l'écran, en complément d'information, le titre de l'album ainsi que le nom de l'artiste qui l'a indiqué. Il va sans dire qu'il est préférable, toujours dans la conception des incrustations pour la télévision, d'utiliser des caractères sobres, de bonne grosseur, dont la couleur se détache bien de l'arrière-plan et qui sont faciles à lire. Il faut de plus que ces titres qui apparaissent à l'écran soient toujours contenus à l'intérieur de la zone critique ou « Safe Title Area » en anglais. Il est toujours possible pour un caméraman débrouillard et à l'œil entraîné de rehausser une prise de vue, un cadrage, en y ajoutant un mouvement de caméra. Comme vous le voyez sur la photo à l'écran en ce moment, il est possible et même très intéressant d'effectuer un zoom pour nous faire découvrir d'autres informations que la photo contient. Le zoom out est une bonne technique pour capter l'attention du téléspectateur et rendre notre communication plus vivante. Le zoom est un mouvement possible, mais il en existe d'autres qu'un réalisateur se doit d'utiliser dans ses communications, comme le panoramique, par exemple, que vous allez voir dans un petit instant, et qui lui aussi nous permet de rehausser la qualité de notre document télévisuel en même temps que de dévoiler de nouvelles informations aux téléspectateurs. Dans tous les cas de mouvement sur photo, il est préférable que le ratio de la photo utilisée soit compatible avec le ratio de l'écran de télévision. En conclusion, maintenant, signalons qu'à la fin d'une émission, le réalisateur a fort à faire pour s'assurer que la fin de son émission se déroulera sans bavure. Dans un premier temps,
On fait entendre la musique que l'on aura pris soin, bien évidemment, de backtimer pour obtenir une finale plus percutante et professionnelle. Il incombe de plus à la script de s'assurer que le preneur de son roule sa musique au moment opportun pour respecter le minutage. Après la musique, il faut penser à une finale intéressante du point de vue des plans de caméra. Ici, aujourd'hui, par exemple, nous demandons à la caméra 2 de faire un zoom-out d'un plan buste à un plan d'ensemble du studio. Le mouvement prendra quelques secondes, pendant lesquelles, d'ailleurs, je devrais quitter le plateau, comme le réalisateur me l'a expliqué au début de l'émission. Et c'est sur cette image du décor vide que l'on fera défiler le générique en incrustation. La musique, quant à elle, se terminera une seconde avant la fin de l'émission, qui, lui, nous oblige à faire un fondu au noir. Merci d'avoir été des nôtres et bonne réalisation! Bonjour, je m'appelle Mathieu Daou. Si nous sommes installés aujourd'hui dans un studio de télévision, c'est pour vous parler de certaines facettes du travail de mise en onde d'un réalisateur d'émissions de télévision, avec lequel les étudiants du programme de production télévisuelle devront se familiariser. Vous n'êtes pas sans savoir que les responsabilités qui incombent au réalisateur d'une émission de télévision sont grandes et que ce dernier doit voir une foule de détails pour assurer le succès de l'émission. En régie, le réalisateur est roi et maître. C'est lui qui dicte la marche à suivre. Il doit apprendre à communiquer ses directives à l'ensemble des opérateurs techniciens qui l'entourent de manière claire et précise. Si le réalisateur veut que je m'adresse à une autre caméra que celle à laquelle je vous parle en ce moment, il doit transmettre cette directive à son régisseur de plateau qui, lui, au moyen de gestes précis, me fera comprendre qu'un changement de caméra est imminent. Avant l'enregistrement, le réalisateur aura pris le temps de préparer une liste détaillée de plans de caméra pour chacune de ces caméras, de manière à ce que chaque cadreur sache exactement quel cadrage employer et à quel moment. Les cadreurs sont d'ailleurs embauchés pour leur sens artistique, leur rapidité d'exécution et dans toutes sortes de situations. Au moment même où je vous parle, la caméra 3, telle que demandée par le réalisateur, se déplace pour aller cadrer une image posée sur un chevalet. Vous pourriez voir cette image dans un instant, car c'est aussi la responsabilité du réalisateur de montrer aux téléspectateurs des images qui sont en parfaite synchronisation avec les propos tenus par l'animateur. Comme par exemple, si je vous parle d'un livre que j'ai lu dernièrement et qui m'a beaucoup plu, eh bien, il faudra que le réalisateur montre aux téléspectateurs une image de ce livre au moment où je vous en parle. Avant, il serait trop tôt et gâcherait la surprise, et après, il serait trop tard et frustrerait notre téléspectateur. Et si au même moment, je vous disais que ce livre, vous pourriez vous le mériter en composant un numéro de téléphone, eh bien, le réalisateur serait tenu de montrer à l'écran assez longtemps pour que les gens puissent le prendre en note, bien évidemment. Et maintenant, si je voulais vous faire apprécier la pochette de ce disque audio numérique, le réalisateur doit demander au cadreur de la caméra 1, déjà bien placé pour capter cette image, de nous montrer un gros plan de la pochette que je tiens dans mes mains. Pendant que l'on voit la pochette en gros plan sur l'écran de télévision, il serait souhaitable que le réalisateur passe une commande au preneur de son pour que celui-ci nous fasse entendre en sourdine et en plein son par la suite un extrait du disque. Le téléspectateur souhaiterait aussi qu'apparaisse à l'écran en complément d'information
le titre de l'album ainsi que le nom de l'artiste qui est indiqué. The lunatic is on the grass. Il va sans dire qu'il est toujours préférable, dans la conception des incrustations pour la télévision, d'utiliser des caractères sobres, de bonne grosseur, dont la couleur se détache bien de l'arrière-plan et qui sont faciles à lire. Il faut de plus que ces titres qui apparaissent à l'écran soient toujours contenus à l'intérieur de la zone critique ou du Safe Title Area en anglais. Il est toujours possible pour un caméraman débrouillard et à l'œil entraîné de rehausser une prise de vue, un cadrage en y ajoutant un mouvement de caméra. Comme sur la photo que vous voyez à l'écran en ce moment. Il est même très intéressant d'exécuter un zoom out pour nous faire découvrir d'autres informations que la photo contient. C'est là une bonne technique pour capter l'attention du téléspectateur et rendre notre communication plus vivante. Le zoom est un mouvement possible, mais il en existe d'autres qu'un réalisateur se doit d'utiliser dans ses communications, comme le panoramique, par exemple, que vous allez voir dans un instant et qui, lui aussi, nous permet de rehausser la qualité de notre document télévisuel, en même temps de nous dévoiler de nouvelles informations à notre téléspectateur. Dans tous les cas de mouvement sur photo, il est préférable que le ratio de la photo utilisée soit compatible avec le ratio de l'écran de télévision. En conclusion, maintenant signalons qu'à la fin d'une émission, le réalisateur a fort à faire pour s'assurer que la fin de son émission se déroule sans bavure. Dans un premier temps, on fait entendre la musique que l'on aura pris soin évidemment de backtimer pour obtenir une finale plus percutante et professionnelle. Il incombe à la script de s'assurer que le preneur de son roule la musique au moment opportun pour respecter le minutage. Après la musique, il faut penser à une finale intéressante du point de vue des plans de caméra. Ici aujourd'hui, par exemple, nous demandons à la caméra 2 de faire un zoom out d'un plan bus à un plan d'ensemble du studio. Le mouvement prendra quelques secondes, pendant lesquelles, d'ailleurs, je devrais quitter le plateau comme le réalisateur me l'a expliqué au début de l'émission. Et c'est sur cette image du décor vide que l'on fera défiler le générique en incrustation. La musique, quant à elle, se terminera une seconde avant la fin de l'émission, qui, lui, nous oblige à faire un fondu au noir. Merci d'avoir été des nôtres et bonne réalisation.